Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 40 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, content de te retrouver. Ben ouais, moi aussi très content de te retrouver, puis t'es pas venu tout seul. Ah non, Écoute. là, je t'ai amené du monde ce soir. Hein, je vois que tu es bien accompagné. C'est ça. Eh bien, on va présenter les dames d'abord. Marlène Bigoni, vous en rappelez, on en avait parlé, on avait montré son site avec ses superbes toiles, etc. Et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Marlène. Salut Antoine, salut Jérôme, Salut bonsoir tout le monde. Marlène. Ça nous fait Oui. super plaisir que tu sois là. En plus, on voit tes toiles derrière toi. Ça va être très sympa, je pense, comme échange. Et puis, tu vas nous parler d'un festival qui se passe à Blandas dans quelques minutes. On y reviendra. Tout à fait. Donc là, on est dans mon atelier. J'ai rangé un petit peu. Je fais genre, c'est bien rangé, mais en fait, c'est une partie de mon atelier. Donc moi, je suis artiste peintre. Je peins depuis j'ai l'âge de 3 ans. Donc ça fait bientôt 37 ans que je suis animée par cet art. Et j'ai vite compris que dans les expos, en fait, il se passait vraiment quelque chose avec le regardeur, comme si, il y avait une espèce de vibration avec le regardeur. Donc comme si chaque peinture était pour quelqu'un. Et ça développait en fait une espèce d'émotion qu'en fait ton mental il s'arrête et là c'est vraiment juste ton émotion qui ressent. Et en fait j'avais la volonté de sortir un petit peu des mètres linéaires de Simèze et en fait exposer en extérieur et faire une immersion, donc des installations artistiques en extérieur. De là en fait est venu le nom Mycélium qui me trottait dans la tête depuis un petit moment et dont j'en ai parlé à un ami, donc Michel, qui a le terrain. Il m'a dit, écoute, je te passe carte blanche et on est parti. On monte un événement en fait qui va rassembler des gens qui seront animés par une passion, par un art de vivre. En fait, il faut imaginer que chacun est au bout du mycélium, qu'on a une connaissance et que c'est un réseau d'informations, un champ informationnel. Et en fait, le terrain est comme l'arbre qui rassemble ces brins de mycélium. Donc de là, en fait, est parti cet événement. J'ai fait appel à personne. Chacun est venu spontanément par un élan de l'âme et du cœur. Là, tu lâches les deux mains et c'est ton âme qui te guide. Comme Jérôme est venu sur la fin, quoi. Donc dans cet événement, donc c'est un parcours d'art expérientiel. Donc autour de ce qui m'inspire, ça va être les éléments, l'alchimie des éléments, autour des chakras. Et puis, il y aura des conférences donc l'après-midi. Alors, je te propose qu'on explore en détail effectivement le programme de ce festival, les dates, etc. Avec en support les photos que tu m'as envoyées, comme ça parlera plus à nos amis. Et puis, on va aussi juste en profiter pour saluer notre deuxième invité de la soirée. C'est Umberto Molinaro, le grand retour d'Umberto sur Miasma TV. Ça faisait très longtemps, ça fait super plaisir que tu repasses par ici, Umberto. Comment ça va? Bah écoute, oui, ça va, je te remercie. C'est vrai que ça remonte à au moins 5 ans, hein, la dernière fois qu'on s'est vu. Oh oui, 4-5 ans, mais Ouais. en tout cas, tu as toujours répondu à l'appel dès le début de la chaîne Ouais. en 2016, à la création de la chaîne. Tu as toujours été présent. Et vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. Donc, Umberto Molinaro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en tout cas, à notre avis, à Jérôme et à moi-même, le grand spécialiste des crop circles en France. Il y en a peut-être après des grands ailleurs, mais en tout cas en France, pour nous, c'est toi le plus grand spécialiste du sujet. Et tu as un site, on en reparlera tout à l'heure, hein, tu es le responsable du site, les cercles, quoi, cercle dans la nuit.com, voilà. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite avec Umberto l'année passée sur Horus. Voilà. Exactement. Petite pub au passage. Tu as bien raison. On en reparlera aussi. Et puis voilà, on explorera avec toi eh bien, la nouvelle saison, on appelle ça des saisons finalement, de Crop Circle 2023. Voilà. Et comme ça va être une émission, je pense, très très riche, on va donc diminuer nos sujets. On va juste faire un courrier des lecteurs, parce que vous étiez aussi très nombreux à nous écrire. Voilà. Voilà pour le programme de ce soir. Eh bien, on va revenir à notre festival, Marlène. Et puis, je vais partager ce que tu m'as envoyé. Alors, pendant que Ah, Antoine ne... cherche le partage,
Pour les assidus de Mimi, Marlène ne vous est pas inconnue, puisque l'année passée, tu es parti avec Jean-Baptiste de la chaîne Babine the World en Égypte, et puis vous avez vécu ensemble une expérience dans le désert, et tu m'avais envoyé le récit de cette expérience que je vous ai partagé sur un Mimi. Alors, je ne sais plus quel numéro. Voilà, si Antoine pourra nous le mettre dans la description. Voilà, c'est cette petite expérience sympathique que vous avez vécue ensemble avec JB et votre guide en plein milieu du désert blanc d'Égypte. Exactement. Tu avais fait une photo du feu de camp où vous étiez. Il y avait une Toute une vie. apparition. Voilà. C'était Et toute une procession alchimique aussi de ce voyage égyptien, quoi. en... Et voilà, c'était un voyage, mais à l'intérieur de soi. Donc moi, je suis rentrée en France. JB est reparti donc dans son périple de voyage. Et moi, en fait, de là, bah, j'ai eu toute la décontation de ce voyage égyptien, quoi. Et là, ça m'a pété au casque de Ah, créer un événement. ça, c'est un voyage. Moi, je sais, je l'ai fait en 2017. Tu reviens pas comme un Ah oui. voyage aux Canaries ou Ouais, n'importe c'est pas où. des Hein, vacances. non, c'est Des pas des vacances. vacances. Tu reviens. On est site, mais et tout ça, on a fait du nord au sud. Et puis ce voyage, oui. Et puis l'expérience dans le désert blanc, hein, complètement alchimique, avec tous les éléments qui nous ont accueillis et cette entité, ce djinn qu'on a vu autour du feu. Donc, tu ressors de là, ouais, grandi et puis en questionnement, quoi. T'es, T'es changé, t'es chamboulé. ouais, t'évolues, quoi. C'est en C'est expansion, ça. quoi. Et voilà, Voilà. exactement. Voilà, complètement. Donc on plante des graines, on est des semeurs de graines, et puis voilà quoi. Donc c'est mycélium, chacun vient planter sa graine, et puis chacun vient arroser un peu le potager. C'est ça que toute seule, avec mon art, j'ai pas envie de faire de la monoculture. C'est avec tout le monde en fait que ça fait quelque chose, une biodiversité, quelque chose de grandissant. Donc voilà, de là est né mycélium, quoi. Alors ça, c'est les petites synchronicités de la vie, puisque j'ai, du coup, avec Marlène, on a gardé contact. Et puis, moi, je me suis organisé un petit tour de France les 2 premières semaines de juillet. Puis je lui ai dit, tu t'exposes pas quelque part à ce moment-là pour que je vienne voir un petit peu tes toiles avec mes vrais yeux. Et puis, Marlène me dit, attends, on fait un festival, voilà, le 7, 8 et 9 juillet à Blandas, Mycélium, voilà, c'était tout frais. Donc, je me suis dit, oui, évidemment, je vais faire un petit tour là-bas. C'est ça. Puis Blondaz, vous connaissez, c'était l'écrin Oui. qui accueillit le premier étrange rendez-vous de Demian. De Demian. Damien, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est effectivement pas un lieu qui nous est inconnu. Ça a été un très beau festival qu'avait organisé donc Damien, c'est il y a 3 ans maintenant, il me Il y semble. a 2 ans, nous, on avait fait la suite ensemble à Cachan. Il avait fait l'étrange rendez-vous sur Paris. C'est ça. C'était l'année dernière, oui, ça. C'était les dernières, l'étrange rendez-vous sur Paris, ouais, tout Ça à file, fait. hein, ça file. Et je crois qu'il y a un troisième étrange rendez-vous qui est en préparation pour 2024, de mémoire. Si ça n'a pas changé, ça a peut-être changé. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est Mycélium. Donc Mycélium, ce réseau de racines, de champignons, ça, la base du mycélium, C'est ça, c'est on un va réseau dire. d'informations invisibles, mais qui connecte en fait tous les arbres entre eux. Les arbres, en fait, on s'échange de l'information. Et voilà, c'est un joli mot, voilà, ça résonne bien, quoi. Et on est chacun au bout du mycélium pour échanger cette information et partager un moment, quoi. C'est pas un festival, je dirais que c'est une réunion de druides, un peu, un événement, quoi. C'est un parcours expérientiel de reconnexion à soi, cheminement dans les éléments et les chakras de l'art, le yoga, les cercles de danse et le chant, la cuisine vivante. Hein, tu nous raconteras ce que c'est la cuisine vivante, les histoires contées et les conférences. Voilà, vaguement, comme ça, voilà. Ça, c'est le lieu. Donc, le lieu, c'est un écolieu, hein. C'est donc le camping de Michel. Donc, je vous invite, si vous y êtes appelé, c'est vraiment de réserver pour qu'on puisse au mieux s'organiser. Voilà. Puisque, voilà, le lieu peut accueillir un certain nombre de personnes pour qu'on puisse au mieux vous accueillir en conscience, quoi. Et puis, on va arriver sur le lieu, on se dépose. On dépose nos chaussures, notre téléphone et on vit l'expérience à fond, quoi. Pas derrière un écran, tu le vis avec tes yeux et ton cœur. Donc là, on a fait des petits prix aussi bien accessibles. Oui, Et puis, au niveau tarif, il n'y a c'est pas de problème. vraiment très abordable. Hein. Vous voyez, un jour, 15 Sans euros prétexte. et pour les 3 jours, donc sur le week-end complet, vendredi, samedi, dimanche, c'est 30 euros par personne. C'est vraiment des prix extrêmement abordables.
Ouais, c'est un peu un prétexte en fait pour nous rassembler, quoi. Il fallait une excuse, j'ai trouvé l'art et puis ce terrain, donc maintenant c'est devenu un rassemblement. Et puis voilà, on peut voir Alors, tout. le programme, du coup. Il n'y a pas de programme, pas de programme, pas de problème. T'as raison, Marlène. Ouais. J'allais dire, scène ouverte pendant 3 jours, c'est Non, il y a ça? quand même un cheminement, il y a quand même un petit Ah. planning là, tu vas le matin, tu te réveilles tranquillement, tu peux aller faire du yoga. Et voilà, là c'est le plan. Donc il y a le parcours expérientiel. Donc là, tu rentres par la porte. Là, on voit en bas accueil. Donc on passe par tous les chakras et tous les éléments. Donc on commence par la terre, ensuite on fait tout notre cheminement et on tourne dans le sens anti-horaire. Puisqu'en fait, c'est une bulle temporelle, donc on remonte le temps. Et puis donc là, c'est vraiment un temps suspendu, là, qui est vraiment pour soi. Donc on compte à rebours. On passe par tous les chakras. On peut voir qu'il y a une felouque égyptienne authentique. Hein. Voilà, elle est sur le chakra sacré, qui vient vraiment d'Égypte en plus. Donc, elle s'appelle le scarabée, c'est une felouque volante. Voilà. Et puis on fera le tour, voilà, à la visite d'expo. Il y a du yoga avec des intervenants qui sont passionnés. Et puis l'après-midi, des conférences donc avec JB, Nance et Jérôme et Michel pour finir sur une table ronde pour voilà, discuter de tous nos sujets préférés, hein, tout ce qui est géobiologie sacrée, archéologie mystérieuse, tous ces sujets qui nous passionnent et qui résonnent aussi avec l'art, puisqu'en fait, chacun a exploré son voyage, ses terrains, et en fait, on se rend compte qu'on a tous le même but, c'est vers soi, c'est à l'intérieur de nous, quoi. Voilà, on est notre propre pèlerin, notre propre Dieu, et en fin de compte, chacun a pris un chemin, et on se retrouve pour échanger. Et on se rend compte que le but est commun, c'est se retrouver soi-même, quoi. Voilà, pas vraiment de planning. Même les conférences, comme ils sont bavards, les copains, donc on leur a laissé une heure et demie. Si ça dépasse, c'est pas grave. C'est Ça pas dépasse. grave. Ça dépasse. On fera le samedi et puis on improvisera le dimanche s'il y a du rab, s'il y a de la demande. Voilà, c'est à la cool, quoi. La Et cool. ouais, c'est ça, c'est un peu intuitif. C'est, tu sais, quand tu as un événement, il y a toujours plein, plein de programmes. Et en fin de compte, tu es trop guidé. Alors que là, ben. On casse un petit peu bah, tout ce qui peut exister, tout ce qui est trop organisé, même si on est organisé quand même. Oui, Ah, mais... c'est pas non plus voilà, fait à l'arrache, comme on dit. Hein. Non, on y met Il y du a quand cœur même et puis c'est tout. une belle organisation derrière, mais c'est vrai que au niveau des voilà, des planifications des intervenants pour les conférences, tu Voilà, n'étais c'est assez pas long. voilà, on ne s'est pas fixé des heures bien précises parce que parfois on le voit trop souvent, voilà, quand les intervenants commencent à aborder les choses vraiment intéressantes, et bah c'est la fin et voilà, on reste sur notre fin. Et puis le but, c'est pas de nous stresser, ni nous, ni vous, ni personne, quoi. C'est vraiment Exactement. vivre à fond, tranquille. Alors, si on fait quand même un petit tour d'horizon là sur ta ruche, tes alvéoles de ruche, Patayette, on en avait déjà entendu parler sur la chaîne, on avait parlé de son activité. C'est une cuisinière, Patayette, c'est ça? C'est ça, c'est la compagne de Nance, géobiologue, D'accord. donc les deux, ouais. Donc elle nous fera cuisine vivante de saison avec que du bon manger, bon pour tes yeux et dans ton ventre. Donc c'est parfait, c'est des graines germées, des aliments frais et cuisiner avec amour, ça change tout. Hein. Ça c'est l'ingrédient qui fait tout. Tu fais une tarte avec amour ou sans amour, ça n'a pas le même goût. Donc voilà, on va se nourrir de bonnes choses, de bonnes vibrations, quoi. Alors, vous avez aussi, c'est Benji, c'est ça? Voilà, C'est ouais. un, ouais. Donc là, il va nous faire une fresque en live à l'endroit de la restauration, donc sur un conteneur. Je vais participer avec lui le matin, puisqu'il y a 12 mètres linéaires à décorer. Donc ce sera une fresque live sur les 3 jours, inspirée des animaux, du règne animal. Donc il y aura toute une évolution sur les 3 jours. Et puis pareil, on peut participer hein, si quelqu'un veut prendre le pinceau, hein, n'est-ce pas Jérôme? Ou autre, voilà, c'est libre. Oui, je me suis proposé hein, pour mettre ma petite touche sur cette fresque. Voilà, ça peut être une œuvre collective d'expression, voilà. Et puis, Ok, et après la fresque restera c'est ça. sur place.
Ouais, sur un conteneur. Donc le Ah conteneur, oui, a priori, d'accord, oui, ne bouge c'est pas. OK. Sauf s'il s'envole parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie. Mais voilà, a priori, cette année, il sera resté comme ça. Puis peut-être une prochaine fois, recouvrir, quoi. C'est de l'art évolutif, quoi. Évolutif. Ensuite, une certaine Marlène, artiste Ouais. peintre. Voilà, Bon, donc ouais. tu t'exposeras des toiles. C'est ça, moi j'installe deux. C'est des installations en fait. Je voulais faire de l'art immersif. Donc là, j'expose sous un dôme géodésique et sous une tente en forme d'étoile. Donc voilà, mes inspirations, ça va être les merveilleuses en deux mots. Donc c'est les guérisseuses de la terre et celles d'outre-espace. Donc on va passer de l'élément terre à l'élément air. Et il y a un lien entre les deux, et moi je communique entre la terre et le ciel, comme un arbre en fait. Je communique entre les plans. Donc mon installation voilà, passe dans cette expression artistique. Donc il faudra bien aussi de la terre pour réceptionner tout ça. Parce que quand on aura fait le tour avec les chakras, les éléments, il faudra aussi revenir sur la terre et s'enraciner comme un bel arbre, un être avec un H comme humain. Un autre humain qui a l'air tout joyeux, c'est Fabien. Un grand sourire, en tout cas, sur son dessin. Ouais. Fabien, bah oui, lui, il exposera aussi ses peintures. Ouais, c'est un alchimiste de la peinture, Fabien. Alors pareil, je ne les connais pas tous, donc ça va être l'occasion de se voir en vrai. C'est D'accord. vrai qu'on est toujours derrière les écrans, on voit un peu le travail de chacun, mais là, c'est vivre l'expérience, vraiment, quoi. Donc Ok. voilà, il y aura Donc Fabien aussi. Fabien Gaillard, Fabien-Gaillard, hein. Je viens de voir les adresses mail, les adresses des sites en Et bas. puis sur la page Facebook, voilà, il y a des petits dossiers, on peut voir un petit peu les ouvrages et les inspirations de chacun, avec un peu plus de détails, quoi. Et puis Alors là, ben voilà. Sylvain, il va vous proposer quoi, Sylvain, en spectacle vivant? Ouais, il nous fait un mapping, donc projection visuelle sur la felouque. Donc ça va être le soir, puisque le soir, les installations artistiques vont s'illuminer avec des UV, parce que moi je travaille aussi avec les lumières UV. Donc la journée, tu as une lecture et le soir, tu as une autre lecture. Et donc, Des choses qui apparaissent avec les UV. ouais, c'est ça. Donc en plein jour, tu ne vois pas, et la nuit, ça fait un peu Da Vinci Code, quoi. Tu as des... Petits messages codés Voilà, et sur tes toiles. c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Donc ça va apparaître avec les lumières ultraviolettes. Et donc Sylvain va nous projeter... sa composition sur la felouque. Donc, il nous fait toute une installation avec du lycra. Voilà, c'est un peu surprise. Là, il monte ça bon, autour de l'Égypte, évidemment, de l'eau et du chakra sacré. Voilà. Il va peut-être nous cacher des petites images subliminales, le connaissant. Voilà. C'est pas carré. On réfléchit Ok. au moins à mycélium. Alors ensuite, ah bien, Jérôme Russe, TV. Ah oui. Alors Tu vas faire une avant, conférence sur quoi, Jérôme? sur la Grande Pyramide, Ah oui. je vais parler d'une découverte que j'ai faite sur la Grande Pyramide il y a 2 ans, dont je n'ai jamais parlé. Donc ça sera vraiment, comme je le disais à Marlène, une exclusivité parce que j'en ai parlé à personne. Voilà. Oh, et même pas moi quand je suis deg. Même pas Antoine, voyez-vous, j'ai vraiment gardé ça pour moi. Et j'ai creusé le sujet depuis 2 ans et voilà. De toute manière, les conférences seront enregistrées, donc je repasserai cette conférence sur Horus à mon retour. Voilà, pour vous Bon, dévoiler un petit peu tout ça. ne vous inquiétez pas, de toute manière, on va le passer sur le grill aussi, sur Miasme TV. Il y aura droit. Je ne dirai rien. Donc, tu parlais de Hans tout à l'heure, Nance, géobiologie. Nance, Nance. pardon. Je croyais que c'était un H. Nance, géobiologie sacrée. Voilà, donc toi, il y a un cheminement entre JB qui va nous démontrer, nous présenter toutes ses découvertes de voyage, parce que c'est un globe-trotteur insatiable de découvertes, quoi, un gars curieux. Puis Nance, voilà, qui va avoir ses théories et son génie. C'est un génie, Nance, hein, il a des géobiologies sacrées. C'est un bon bavard, ouais. Bon, ça va être intéressant, on va se faire des bons nœuds au cerveau, je pense. De là ensuite Jérôme, et finir avec Michel aussi, qui est un sacré voyageur, qui a toujours des histoires à raconter sur ses découvertes autour du monde. Donc les quatre là, ouais, ça forme une belle complémentarité de connaissances et de curiosité. Donc ça risque d'être animé. Une belle brochette pour le samedi.
Une belle brochette pour le samedi, c'est Michel ça. ici. Voilà, Michel donc. qui est à droite, et effectivement JB de Babe in the World. On a eu aussi À fait. de recevoir à plusieurs reprises sur la chaîne. Ouais. Et Je vous Michel était invite. parti avec JB au Pérou en suivant l'Égypte. Voilà. Oui, Vous donc je vous l'aviez un petit invite à revoir les vidéos que j'ai fait avec JB, la Bab Connection sur Horus. Je me fais de la pub, Antoine, ce soir, Mais vas-y, excuse-moi. vas-y, vas-y, profites-en. Profites-en, on Et mettra tous les Nance liens tout à aussi, l'heure. on a fait une belle vidéo en deux parties sur Horus aussi, sur ses connaissances qui sont vraiment très intéressantes. Mais tout ça, ce n'est qu'un petit monde, en fait. Ah, on est. Bah C'est oui, ça. on est tous connectés. Mais oui, avec des sujets alternatifs différents, on se retrouve à parler de la même chose, quoi. On peut se comprendre entre artistes et entre voyageurs, on a le même, on est animé par la même source, je crois. Je pense aussi. Exactement. Hein. Maïté. Ben voilà, donc c'est Maïté qui nous guidera dans ce parcours expérientiel, avec des postures de yoga et vraiment sa démarche et ses connaissances en yoga. Voilà, ouvrir tous nos chakras. On va être un vrai sapin de Noël, il y a tout qui va s'éclairer. Ça va être fameux. Voilà. Dorothée, bah, cercle de parole, ça va être vraiment de l'intuitif au moment. Ça va se former vraiment au moment, quoi. Si on a envie de faire ça, ben on fait ça. D'accord, je ne connais pas du tout le principe, hein. Je ne sais pas. Voilà, tu te rassembles autour d'un cercle de parole. Ça peut être de la danse tellement intuitive. Et tu lâches prise, en fait, avec des gens que tu ne connais pas, mais. Et une écoute, une bienveillance, et puis tu voilà, t'as pas à te juger, c'est voilà, tu un peu tu évolues pieds nus. Ok. Voilà. Et puis Pauline, elle est passionnée de géométrie, de crop circle. Ben, oui, c'est ce que j'allais dire. Tiens, Umberto. T'aurais eu ta place aussi sur ce petit festival. Ouais, T'aurais Pauline, été elle bien est là très avec. sympa. J'en ai, ouais, j'ai eu l'occasion d'en faire, hein. J'adore, c'est vraiment bien. Voilà, donc Donc, petit Pauline, atelier. oui, tu disais, Marlène. Donc elle avait exposé ses dessins, elle les découpe et elle a compris qu'en les faisant tourner, bah, ça tournait dans deux sens différents. Elle les met en animation. Donc voilà, elle va nous initier à la géométrie du crop circle, à toutes les dates, elle est passionnée. Voilà. D'accord. Vous connaissez Umberto avec Pauline? Non, 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 mais le monde est grand, hein. On dit souvent le monde est petit, mais là, non, le monde est grand quand même. Mais je suis heureux de découvrir tout ça, c'est belles initiatives. Bah écoute, t'auras le monde est grand et petit à la fois, parce Mais que tu oui. vois, du coup, ça Infiniment permet multiple. effectivement de rencontrer d'autres personnes. Alors enfin, on va finir avec Adeline. Et Christophe, donc d'abord Adeline, résonance numérique et design humain. Voilà, bah les deux, ils sont dans les numéros. Voilà, c'est des. Je ne vais pas dire des monomaniaques du nombre, mais ils sont passionnés des chiffres et en fait, voilà, ils nous expliquaient qui on peut être par rapport à notre date de naissance, c'est plus que ça, la résonance des nombres. Et, voilà, ce qui... et puis Christophe, lui, il les met en illustration avec ses pythagraphes. Donc avec notre date de naissance, il illustre avec cette forme numérique. Voilà, donc tous les deux, ils pourront voilà, nous expliquer ce qu'est le. Les nombres, leur symbolique, la symbologie de tout ça. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais Oh ouais. voilà. C'est un chouette festival, moi je trouve, parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a de quoi passer vraiment un bon moment sur 3 jours. Et une belle Ouais. expérience à vivre, je pense. Oui, et puis même autour, hein, autour, voilà. Voilà, c'est une petite mise en illustration de ce qu'on peut. Avec la petite. Le petit repas de pataillettes, là, ça donne envie quand même, tout ça. Hein. C'est des remises en question, parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Hein. La compréhension de la contemplation et surtout assimiler ce qu'on aura vécu. Voilà, tu infuses, comme dit Michel, c'est un thé japonais. Tu vois, tu prends vraiment en plein et tu laisses poser et tu vis vraiment les choses comme tu dois le vivre pleinement. Tu laisses infuser, Tu laisses exactement. infuser tranquille pour sortir toutes les petites saveurs et subtilités. Ouais. Et là, du coup, c'est le dôme que tu évoquais avec. On aperçoit. Moi, j'adore celle-là. Hein, celle de gauche, là, elle est très, très belle et Voilà, c'est merveilleuse. entre la terre et le ciel. Donc plutôt entre moi, je jongle entre le figuratif et plutôt l'abstrait. Je pourrais me définir en tant que peintre organique ou je ne sais pas. Je ne vais pas trop me mettre dans une case. Puis en même temps, on s'en fout des cases, puisque
tout est inspiration. Donc voilà, elle s'appelle Salvia, c'est la sauge divinarium, la sauge des devins. Et elle porte l'œuf cosmique de la création, voilà, pour dire, c'est un peu mes inspirations de guérisseuse de la terre-mère, voilà, connectée à la terre. Et ensuite, on a les merveilleuses d'outre-espace, donc les énergies bleues. Je ne sais pas qui sont, s'ils ne m'ont pas dit, mais je sens que voilà, c'est une vibration, une énergie, et moi je les mets dans ma peinture, voilà, je les matérialise et je les illustre de cette manière. J'ai pas forcément les réponses, c'est au regardeur en fait d'avoir sa réponse à lui. C'est souvent un effet miroir. Voilà, ça passe par les émotions, comme une bonne musique, comme un bon gâteau en fait. C'est tes sens qui te réveillent en fait par les émotions, quoi. Et voilà, et donc Ok. sous le dôme, il y aura des Donc, UV. pour nous faire ressortir ces petits Ah oui. messages subliminaux que tu as incrustés dans tes toiles. Ouais, des fois il y a de la géométrie, des fois il y a des constellations. Et puis ça fait un peu le vaisseau qui vient d'atterrir. Bon, on verra. Oui, Je ne sais pas aussi. ce qui Donc va se passer. voilà, des ovnis à Blandas 7, 8 et 9 juillet prochain. Ouais, et le 7 juillet 2023, ça fait 777 pour se rappeler. Voilà, c'est un bon portail aussi Ah d'entrée. oui, bien vu, bien vu. Ouais. Et tu rentres par un portail, une belle porte qui va être façonnée par Michel. Là, il met tout son cœur à l'ouvrage. Voilà, il y aura une flaque, donc parce que c'est voilà, on passe par un portail multidimensionnel. Donc il y a l'eau qui joue. Vraiment, on s'amuse quoi. On s'amuse. Très à diète pour ma part. Ouais. Bah tu nous feras un reportage, hein, Ah Jérôme. mais je vais Ça va faire un être ta reportage. mission, hein. Oui, ça va Ouais, être ouais. ma mission. Pour le dernier Mimi de l'année, hein, quand tu vas revenir, on sera sur l'avant-dernier ou le dernier Mimi de la deuxième saison. Comme ça, tu pourras nous faire un petit reportage pour ce Mimi-là. Eh bien, écoute, très bien, Marlène. C'est un festival, en tout cas, qui sent vraiment la positivité, la bonne humeur. Ouais, c'est un petit côté magique, elfique, hippie, tout ça, tout ce, voilà, tout ce qu'on a envie de mettre dedans, en tout cas, ce ne sont que des ondes positives, on le sent bien. Tout On à le fait, sent bien. chacun a une magie à apporter, c'est une espèce de recette et tu fais une potion avec ton ingrédient que tu viens mettre. Même le visiteur peut être acteur, le terrain est un acteur principal aussi. Il chante si on sait l'écouter, si tu te poses, tu te déposes, tu ressens. Oui. Oui, et puis à Blandas, il s'y passe des choses. Hein. J'ai vu des retours du dernier festival. Il y a eu des choses dans le ciel. Voilà. Et puis même, il y a encore des cromlechs à visiter sur le plateau. Donc il y a beaucoup de choses à voir, il y a le cirque de Navacelles. Les Cévennes, c'est quelque chose. C'est sauvage et authentique, je trouve. En tout cas, voilà, ça se passe 7, 8, 9 juillet, donc dans 3-4 semaines, 3 semaines maintenant. Alors moi, je ne serais pas là le 9, autrement, je serais bien allé. Ah bah oui, tu Parce que m'étonnes. le 9, il y a un voyage en Angleterre avec Aura Voyage du 9 au 14 juillet. Avec Anne Givaudan et Antoine, son mari. Et moi, je travaille D'accord. avec eux aussi par rapport au Crop Circle. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, c'est auravoyage.com. Et c'est donc, je rappelle, du 9 au 14 juillet. Et sinon, j'ai adoré cette présentation. Mais alors, c'est trop drôle parce que. Quand j'ai démarré mes recherches sur les crop circles en 2000, donc tu imagines, c'est plus de 23 ans, c'est vrai qu'après, dans la foulée, j'ai commencé à écrire et je me rends compte que c'est incroyable, mais tout ce qui est là maintenant, c'est ce que, à l'époque, tu vois, on touchait du doigt. D'ailleurs, dans mon premier livre, j'aborde tous ces sujets-là. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est que chacun se spécialise dans un petit truc. L'un, c'est tout ce qui est les grandes pierres, tu vois, l'archéologie, la géobiologie, l'autre, c'est. Et en fait, on paraît étonné de se dire, tiens, il y a plein de choses, mais non, c'est la même chose, tout se rejoint Oui, mais tout est complètement, lié, tu vois. oui, tout C'est est trop lié génial. complètement. Et bien sûr, c'est le spirituel qui est la pierre d'angle de tout ça, quoi. Après, que ce soit de la cuisine vivante, du yoga, la pyramide ou le crop circle ou les peintures inspirées et autres,
Il y a toujours un lien dans tout ça. Bah, complètement, complètement. Bah oui, parce qu'on retrouve de la géométrie sacrée dans les crop circles, mais aussi dans la grande pyramide et dans de la Mais dans peinture tout, de bah bien personnes sûr. inspirées, et Ah dans, oui, voilà, là. dans la nature, dans voilà. Après, on peut s'étonner que sur les crop circles, j'ai fait 5 ouvrages, parce que le cinquième, là, il est terminé. Mais je sortirai pour après les vacances. Mais c'est. J'y pensais hier, je me disais, comment est-ce qu'on peut écrire 1300 pages au moins sur le sujet? Mais c'est parce que justement, ça rebondit sur tout ça. C'est en résonance avec tout ça, avec tellement de choses, quoi. Les nombres, tu vois. Alors quand tu dis magique, à moi ça m'a amusé, tu vois, magique, parce que c'est, bien sûr, les mages, c'est ceux qui observaient le ciel et ils ont tiré ces mathématiques, mais des mathématiques, je dirais, sensibles, celles du cœur, tu vois. Hein. Et ça m'amusait aussi de voir les merveilleuses, parce que Veilleuse. moi-même, je travaillais, c'est la mer qui veille, tu vois, la Bah merveille. oui, bah Et oui. c'est le but, c'est ça, c'est que grâce à la merveille, on retrouve, on se trouve dans l'éveil, tu vois, c'est par l'émerveillement qu'on s'éveille aussi, tu vois. Donc là, c'est de l'émerveillement de part et d'autre, dans la créativité, c'est bien, ça fait plaisir, ça, on sent que ça bouillonne, quoi. Mais tu as raison, Umberto, ça bouillonne. Il y a plein Ça de bouillonne, personnes qui ben s'éveillent, il oui, y a plein de les énergies gens. sont là, puis il y a eu, bon, c'est ça l'histoire, hein. C'est là qu'on se rend compte. Moi, une fois passé dans ma vidéo, je disais que finalement, ce qui est vraiment bien, c'est de connaître ce terme résonance, parce que on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, on raconte ce qu'on a raconté, et quand tout à coup ça résonne, ça met en vibration quelque chose chez l'autre, mais ça va rebondir sur voilà, il y en a un, c'est ça va lui parler, ça va être les chiffres, il va partir là-dedans, géométrie, ça, tu vois. Mais Donc, tu as tout à voilà, fait c'est pour raison, parce ça. que moi je fais très souvent référence dans mes vidéos au documentaire de Patrice Pouillard, LRDP. Et ça, c'est le genre de documentaire qui a créé des résonances chez beaucoup, 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 mais alors, énormément de monde. Et qui a réveillé beaucoup de monde. Et comme tu le dis, il y en a, ils se sont lancés à fond dans la géométrie sacrée, etc. Il y en a d'autres, c'était les chiffres, voilà. Bien sûr. Le nombre pi, le nombre phi, racine carrée, Voilà. machin. Il y en a d'autres, voilà, l'archéologie alternative. On va aller voir ce qui se passe sur les autres continents. Ça, voilà, tu allumes la mèche, comme on dit. Voilà, c'est énorme. Mais alors bon, les énergies actuelles de l'évolution, elles sont là de toute façon. Oui. Donc ça pousse Ça pousse. très fort. C'est ça. Il Voilà. faut pas retenir. Faut pas retenir le bouchon quand ça pousse. Faut laisser passer et puis. Et puis, il faut que ça déborde, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement le courrier des lecteurs. Et puis, on reviendra après avec Umberto sur les crop circles de la saison 2023, les premiers crop circles qui ont été mis à jour depuis le mois de juin. Allez, le courrier des lecteurs. Donc c'est une Zamimi qui m'a envoyé cette information. Visiblement, c'est une réponse officielle de la préfecture de la région Bretagne. Alors Drac Bretagne, je ne sais pas qui en fait la préfecture envoie sa réponse, si c'est à la Drac ou si c'est à autre chose. C'est donc par rapport à ce fameux scandale des 39 petits menhirs qui ont été détruits suite à l'implantation d'une zone, d'un magasin de Monsieur bricolage. Bricolage. Monsieur Monsieur Bricolage. Bricolage. Voilà, je cherchais le nom, j'avais plein de noms qui arrivaient en tête, mais c'était pas le bon. Donc on en a parlé dans Mimi 39, en long, en large, en travers. Je vous invite à regarder l'émission si vous l'avez manqué. Par contre, voici quand même la réponse officielle qui est intéressante parce qu'elle apporte des vrais éléments de réponse. Alors c'est dommage, j'ai des bouts de fin de mots qui me manquent, mais c'est pas grave, on va essayer quand même de lire cette lettre donc, qui a été adressée le 7 juin 2023, concernant donc les travaux d'aménagement du chemin de Montauban à Carnac. Donc voilà ce que dit la préfecture. En 2014, la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne a instruit une demande de permis de construire
pour un projet de supermarché Chemin de Montauban à Carnac, donc c'est Monsieur Bricolage, déposé par une entreprise privée sur une emprise de 13 800 m². Le projet se situe à proximité d'une fouille d'archéologie préventive menée en 2009 qui a mis au jour des vestiges néolithiques. La réalisation et le diagnostic archéologique préalable a été prescrite. Cette opération de diagnostic réalisée par l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, en mars 2000, c'est là ça me manque, hein, peut-être 2010, 11, 12, qu'importe, je crois que c'est 11, consiste à creuser 8 tranchées de 3 mètres de large sur un terrain partiellement encombré de déblais, de déchets divers et de bosquets. Aucun vestige archéologique n'a alors été découvert. Donc, c'est important parce que c'est un peu l'argument de M. Bricolage pour dire « Ouais, mais aucun vestige archéologique n'avait été découvert. » Il est en revanche apparu que deux anciennes clôtures dissimulées dans les taillis étaient construites à partir de blocs dressés. Il manque un mot. Par des murets de pierres sèches. Il n'a alors ouais, pas noyé, été possible... C'est sûrement ça. C'est des pierres qui sont noyées dans un muret. D'accord. N'a alors pas été possible de définir précisément la nature de ces découvertes. Deux points. Dans l'une des clôtures, les blocs avaient manifestement été déplacés pour construire le muret. Il ne s'agit donc pas d'une file de menhir en place historiquement. L'autre ensemble était plus complexe d'interprétation. Les blocs de 50 cm à 1 mètre de haut étaient implantés plus profondément dans la terre. Quatre d'entre eux présentaient les marques d'une usure en position dressée depuis très longtemps. Donc là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'effectivement, il y avait des murets de menhir, mais qui n'étaient pas à l'origine ici. Ça a été, ces murets ont été construits mais sûrement à une époque où les Bretons allaient chercher des pierres là où il y en avait pour pouvoir faire leur propre clôture. Ceci dit, il y en a quand même 4 qui étaient peut-être là, parce qu'ils marquent ils ont des marques d'usure depuis très longtemps, et puis les blocs sont beaucoup plus hauts. Alors, c'est là où ce qui m'amuse, c'est la suite du communiqué. Après un avis favorable de la commission interrégionale de l'archéologie, la DRAC Bretagne a prescrit en juillet 2015 une fouille sur 2000 m² à l'emplacement de ces deux files de blocs. Le reste du terrain n'a pas justifié une prescription de fouille. Aucune suite n'a été donnée par le maître d'ouvrage à cette prescription, puisque le permis de construire pour le supermarché a finalement été refusé pour des raisons non liées à l'archéologie. Donc, c'est ce qu'on vous avait dit la fois dernière, c'est qu'il avait été une fois refusé en 2012, je crois, ou peut-être 2017, bon, qu'importe, et ensuite ils l'ont représenté, ce permis de construire. La ville a été saisie, donc... par le même propriétaire d'une nouvelle demande de permis de construire en 2022. Sur cette demande, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable. Alors on vous rappelle qu'il a rendu un avis favorable parce qu'il n'avait pas le temps d'étudier le... Oui, le terrain. Le terrain, voilà. Donc dans ces cas-là, ah oui, mais l'avis est favorable, donc voilà. Non, c'était surtout qu'il n'avait pas le temps de faire les études, ils avaient 2 mois pour le faire, ils n'avaient pas le temps de le faire. Le plan local d'urbanisme de la commune prévoit que la zone de projet est une zone d'activité. Le terrain n'est par ailleurs pas répertorié parmi les zones de présomption archéologique, c'est-à-dire les zones qui justifient un avis du service régional d'archéologie. Est-ce que c'est une excuse suffisante pour dire ça justifie le fait de virer ces menhirs? Bon. Du fait du caractère encore incertain et dans tous les cas non majeur des vestiges tels que révélés, enfin, c'est le non majeur. Parce qu'il y a des pierres qui sont majeures et d'autres qui sont non majeures. Alors effectivement, il y en a qui sont plus belles que d'autres. Mais après, est-ce que... Oui, à partir du moment où les pierres font 50 cm, on se dit, bon, c'est des petites pierres, ça, c'est pas grave. Si ça fait 2 mètres de haut, bon, on n'y touche plus, quoi. C'est ça. Alors qu'elles ont peut-être toute une utilité. L'atteinte sur le site ayant une valeur archéologique n'est pas établie. Donc voilà, du coup, c'est... Ils expliquent que non, monsieur Bricolage, bon, ils sont pas. Vous pouvez sortir les bulldozers et. Voilà. Vous pouvez sortir les bulldozers. Je sais pas ce que vous en pensez. Malgré tout, voilà, même si ce sont des menhirs qui ont été déplacés pour former un muret à une époque, ça reste quand même des menhirs. On rappelle que
le magasin n'a pas été construit sur ces deux fils de menhir. Donc ils auraient pu aménager l'espace. Non, mais je pense que ils ont fait ce qu'ils ont voulu et puis voilà. Ça aurait pu Il y a faire quand une même pub. 30, il y a quand même 39 menhirs, hein. Il n'y en a pas. C'est ça, c'est 39. Mais sur les 39, il y en a 4 qui sont remarquables, on va dire. Voilà, peut-être que certains ont été déplacés dans un temps reculé pour fabriquer ces murets, et peut-être qu'il y en a qui sont restés en place. Donc, de toute manière, c'est un site archéologique où il y avait des menhirs, quoi. C'est ça. Alors, officiellement pour la Drac, non. À côté, oui, mais là, non. Mais d'un autre côté, on a vu qu'ils n'avaient pas le temps d'étudier le truc, donc. Et qui nous dit que pendant les travaux de terrassement, ils vont pas tomber sur d'autres menhirs. Et puis bon, voilà, hein, les conducteurs de Et pelleteuses puis... et de bulldozers vont se dire, bon, on dit rien parce que sinon, si on dit qu'un menhir, un gros menhir là, C'est ça, il va on falloir sait arrêter le comment ça se passe. chantier. Voilà, et là, monsieur bricolage, il n'est pas prêt de sortir de terre, donc on dit rien, on le déplace, et puis voilà quoi. Bah oui, C'est ça. malheureusement. Enfin, Ok. il y a quelque chose qui n'est pas bien précisé là. D'après ce que tu as lu, Antoine, moi j'ai compris qu'en fait, il y avait des pierres sèches qui étaient, en fait, qui étaient adossées à ces pierres-là. Ces menhirs sont dans le muret. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été bougés. C'est eux qui ont fait des murets parce qu'à l'époque, il y avait des moutons partout, va-t'en savoir. Je pense qu'effectivement, ils ont récupéré des petits menhirs à droite à gauche pour faire le muret, mais il y avait déjà sur place au moins 4. Des menhirs alignés, et puis ils ont mis des Voilà. pierres entre deux pour C'est faire. ça. Je pense qu'il y en avait au moins 4 qui étaient là et qui ont servi effectivement de ligne, et ils ont complété ces lignes. Mais bon, après, voilà, c'est pas. En tout cas, c'est pas sérieux globalement, hein. C'est pas sérieux. Hein, quand on voit ce que l'Angleterre a fait avec Stonehenge, ce que l'Europe entre guillemets fait avec le Mont-Saint-Michel, ce qui s'apprêtait peut-être à faire avec les alignements de Karnak, là, il y a quelque chose au niveau du patrimoine qui est absolument pas respecté du tout. Il n'y a pas d'études, c'est quand même c'est vraiment du bricolage. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Quand on parle de C'est du monsieur synchronicité, bricolage. pour Bah, moi, c'est du c'est du bricolage. monsieur bricolage. Voilà. C'est du Voilà, monsieur donc bricolage. Il ne restera qu'une chose à faire, c'est boycotter, c'est tout. oui, C'est ça. tant que Il n'y a que ça à l'archéologie faire, mais officielle. ça, c'est à la conscience humaine, hein, c'est tout. C'est-à-dire que, voilà, les gens doivent aussi prendre leurs responsabilités. Et ceux qui habitent là-bas, ben. Voilà. Allez chez Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt. D'ailleurs, Merlin l'Enchanteur devrait. Voilà, ils ont reçu Merlin l'Enchanteur. Il compte s'implanter en forêt de Brocéliande. Voilà, tu vois. Donc, Un gros le roi Merlin en forêt de Brocéliande. bah, c'est vrai que Merlin, il est mieux vu en Bretagne que bricolage, mais bon. Allez, suivant, parce qu'il y a encore quelques petites photos qu'on nous a envoyées. On va essayer de toutes les passer en revue. Là, c'est Esther qui nous a déjà envoyé des photos la semaine dernière, qui a fait un petit tour en Espagne, qui est revenue, et puis qui s'ennuyait en voiture, qui a pris en photo ces nuages. Alors, à la base, elle les a pris parce qu'elle avait vu un cœur qui se formait, et puis le temps qu'elle prenne son téléphone, qu'elle prenne la photo, etc., le cœur s'était déformé. Mais c'est pas ça qui est remarquable sur ces photographies-là. Ce qui est remarquable, mais est-ce que vous le voyez, ce qui est remarquable? C'est cette crête bizarre. Ce petit dédoublement, qui n'est pas un dédoublement lié à l'appareil photo, sinon on aurait aussi un dédoublement ici, vous voyez, au niveau des arbres. On le retrouve ici, on le retrouve là, ici un petit peu, on le retrouve là-haut. Voilà, le plus flagrant étant celui-ci. Et c'est pas le cliché, parce que du coup elle a pris un cliché juste après. Alors elle s'en est aperçue, je lui ai posé la question, elle l'a pas vu à l'œil nu, elle s'en est aperçue après en regardant les photos chez elle. Là, quelques mètres plus loin, deuxième cliché, on retrouve effectivement toujours ce dédoublement. Et encore une fois, hein, on n'a pas de dédoublement ici sur les arbres, sur les voitures. C'est uniquement à certains endroits. Et c'est uniquement à certains endroits, comme s'il y avait une vibration de quelque chose.
J'ai Vous en déjà eu pensez des quoi? choses comme ça, mais sur les crop circles aussi. C'est certainement de façon liée à la vibration, de toute façon, c'est clair. C'est un phénomène vibratoire qui crée ce dédoublement, c'est particulier, hein. Bon, voilà, c'est pareil, hein. S'il y a des spécialistes de la photographie parmi nos amis, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Allez, j'ai pas pu m'empêcher de trouver un petit quelque chose, un petit glitch encore. Ou... Jérôme, tu aimes bien ce que t'en penses? Petite pareille Yes. d'Oli, Antoine. Ouais. Hop, là, juste. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc jaune là? Alors, ça représente rien, par contre, je vois rien de Ça, particulier. c'est un caca sur le pare-brise, hein, je sais pas. Non. Bah, on pourrait croire, mais regarde, pare-brise suivant. N'oubliez pas, hein. Bah oui, mais Et puis ça, en même temps, la ça. voiture roule. Oui, c'est. Ah oui, on le retrouve là. Ah oui. C'est un caca bien jaune, hein. Non, non, c'est pas un Oui, caca bon, sur pare-brise, ça. c'est un sac. C'est un rectangle en plus, c'est bizarre. C'est un sac coincé dans un arbre. Les gens, ils jettent des détritus sur le bord de la route maintenant. C'est la mode. Ok. Avec un reflet. Je sais pas là, vraiment, pour se prononcer là-dessus. Ok. Bon, allez, on va dire c'est un sac. Un Mais reflet. moi, Une je le mets couverture dans de les. survie. Moi, je le mets dans les trucs un peu bizarres comme ça. On commence à en accumuler. Alors, photo suivante, c'est Rita qui a réagi sur les petites orbes bleues sur les photographies. Donc là, on en a une ici qui est assez belle. Voilà. Maintenant, avec peut-être d'ailleurs ici, je l'avais pas vu. Vous voyez, là, je le vois. Là, il y a un visage. Là, c'est un petit visage d'E.T., limite, crâne nu. Les yeux allongés à droite à gauche, là, le nez un peu creux, le sourire. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Là, il y a quelque chose. Mais bon, selon nos amis photographes, là, c'est une anomalie de la lentille de l'appareil du téléphone. En plus, on est regardé bien sur les diagonales. Toc, toc, il y a le soleil là juste derrière. Donc, il se peut que ça soit une anomalie. Ok. On va lui mettre un petit doute. Enfin, j'y mettais quand même un petit doute avant de m'apercevoir là qu'il y avait quand même une petite forme, mais bon. Ah ouais, y est quoi, c'est sans rien quoi. Bon, presque on dirait un bébé alien. Ouais, c'est bizarre, les anomalies, elles ne sont pas comme ça en général. C'est ça. C'est là, j'irais plutôt qu'il y a une synchronicité. Il y a un croisement entre un phénomène un peu paranormal et un phénomène physique qui, en effet, tu sais, ils savent utiliser les êtres là-haut. Là, je l'ai vu, hein. Je peux te dire que pendant 3 ans, j'ai eu des choses hallucinantes. C'est qu'ils savent utiliser les vibrations, les énergies, les déformer pour faire passer un message. Mais ils ont besoin de la matière, ils ont Bah oui. besoin de la vibration, ils ont besoin qu'il y ait déjà quelque chose. Tu vois? Donc, c'est un petit peu comme avec l'histoire des nuages. Ouais. Tu cherches des photos incroyables? J'en ai une qui est extraordinaire. C'est quelques jours après le lendemain de l'enterrement de ma compagne de l'époque. Eh bien, j'étais dans une terrasse chez des amis, un peu triste évidemment, et j'avais mon téléphone. À un moment donné, je regarde si j'ai un mail, rien du tout. Et le lendemain, je vais faire une photo avec ma petite filleule, et je m'aperçois, en voulant regarder cette photo, qu'il y a une photo de moi qui a été prise en selfie la veille, c'est-à-dire dans la petite cour où j'étais. Or, je n'ai jamais pris de selfie, en plus, elle est moche. Mais surtout, enfin, elle est moche, je me trouve pas super bien là-dessus, mais surtout, il y a des lignes, toutes des lignes, des points et des étoiles or, tout des montages incroyables que je ne sais pas faire. Et quand j'ai voulu la mettre sur l'ordinateur, toutes les photos avant et après étaient sur l'ordinateur, sauf celle-là. Elle était impossible à la monter dans l'ordinateur. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'après, je me la suis envoyée par mail pour pouvoir la voir sur mon ordinateur. Et elle faisait 72 kilos. Et 72, c'est le nombre d'or, les petites étoiles. Et quand j'ai demandé à une médium, elle m'a dit tout de suite que c'était ben, et c'était Isabelle qui me l'avait envoyé. De toute façon, et je te dis, là où ils trifouillent avec son fils, ils trifouillent dans tout ce qui est électronique, ils savent faire. Ouais, ils utilisent C'est les ondes, énorme. tout à C'est fait. énorme.
De toute façon, je parle de tout ça en détail dans le prochain livre, justement, parce que je trouve ça énorme. Alors, juste pour finir, du coup, sur les marronniers de Rita, elle a repris une photo juste après. On aperçoit, alors, le bleu est moins flagrant, mais là, la forme, honnêtement, là, on dirait vraiment un petit être de la nature qui est dans une chrysalide, là, tu vois, le petit visage qui regarde vers le bas, les yeux, on dirait un cocon voilà. Et là, pour le coup, si c'est une anomalie de la lentille de l'appareil, pourquoi est-ce qu'elle est derrière? On est devant le tronc, quoi, de l'arbre, quoi. Ouais. C'est ça, elle est entre une feuille et le tronc, c'est. Voilà. Elle est pas. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est tout ce qu'on dira, c'est qu'elle n'est pas normale. Après, les amis, vous jugez ce que ça peut être. Nous, on ne sait pas. Oui, alors Rita m'a aussi envoyé cette photo-ci avec une anomalie ici. Moi, une photo que du coup elle a envoyée au GEPAN. Le GEPAN lui a pas répondu. Oh bah, ils risquent pas. C'est pas eux Étonnant. qui vont aller dans ce sens. Hein. Moi, j'ai un avis, mais qui n'est pas fa forcément favorable. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoute, je vois difficilement la forme d'un oiseau ou d'un insecte, donc. Alors moi, pour le coup, moi j'y vois la forme d'une espèce, tu sais, les gros papillons de nuit, mais alors là, comme on est en plein jour, il va y avoir son cousin diurne. On y voit les petites antennes, le corps qui est rebondi, les ailes. Écoute, pourquoi pas Antoine? Mais c'est gros quand même. C'est gros. Alors après, par rapport à la position de la photo, si finalement c'est assez proche, ça donne cette impression d'être gros parce que derrière, il n'y a pas les arbres. Je sais pas. Alors après, j'adorerais que ça soit autre chose, hein. Vous savez tous, hein. Curieux, hein? On dirait un morceau de quelque chose. Un morceau de fusée de Tesla. Bon, ouais, voilà. C'est surprenant. 2015, je crois, cette photo. Ouais, c'est surprenant parce qu'en plus c'est il n'y a pas de flou quoi, c'est net. Ou Oui, alors ça elle a se été fait, oui. retouchée, je sais pas, mais Je pense pas. si Quand tu c'était un regardes les. insecte, on verrait un peu de flou. Enfin, ceci dit, avec les instantanés. On va demander à David de travailler sur le Ah, il faut des spécialistes photo. sur la forme, Antoine. Allez, et puis Rita nous en a envoyé une toute dernière photo. Ça se passe à un festival. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce festival. Moi, je ne le connaissais pas. C'est le festival des cucurbitades de Marchienne ou Marquienne. Je ne sais pas comment ça Marchienne. se. Marchienne. Ouais, c'est dans le nord, ça. Tu connais le festival des cucurbitades? Non, mais. Ah ben, c'est le festival des sorcières et des citrouilles. Mais en effet, du côté de Marchienne, la forêt de Marchienne, il se passe des choses, ouais. Il paraît qu'il se passe des choses. Voilà. Et elle a pris cette photo-là, c'était en 2011. Alors au début, bon, j'y vois pas grand-chose de flagrant, tu sais, par rapport à ce qu'on a vu dans les autres photos de grandes flammes comme ça. Mais en zoomant, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence à zoomer. Donc là derrière, il y a un morceau de bois. Hop. Moi, je vois un beau visage. Tu le vois où, ton Sur le visage? haut, bah là où tu as ta souris, là, voilà. À droite, là, à droite, voilà. Tu as les deux yeux, Les le lunettes. nez, la bouche. Là, tu vois le nez, l'œil gauche, l'œil droit à côté. Il voit très bien, c'est Ah flagrant. oui, le nez, Alors les tu yeux, le. Et puis. voilà. Déplace ta souris légèrement à droite, là. Voilà, là, tu as le Là, il nez. est sur le Ah nez, oui, voilà. le Le nez nez là, là, les yeux. les yeux Voilà. Et et la la bouche bouche en en dessous. dessous. Elle a Et la la bouche bouche qui qui crie. crie. Le Mensonge, entendu. mensonge. La momie. Ouais, un Oui, c'est visage un ça. peu triste, oui. Un côté un peu momie. D'accord. Ok, moi, ce que j'y voyais, c'était plutôt ici. Ouais. Allez, je l'ai retrouvé. Oula!
Là, c'est flagrant, T'as oui, la c'est bouche, t'as le nez, t'as les yeux, hop, et là, la t'as la mèche. chevelure. Ouais. Ça fait un petit bonhomme allumette. Mais Ah, mais effectivement, je il le y a vois, peut-être. moi je bloque sur mon visage là, Ouais, parce bah, que, je le vois aussi ton visage maintenant, ouais, hein, tout à fait. Ouais, il est là. avec Il est un l'ombre peu. sous le nez, C'est l'ombre ça. sous les yeux, enfin, Ouais, il est un peu plus squelettique. ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est de la pareille d'Oli, les amis, ou pas, hein, vu que ça se passe au pays des sorcières. Voilà. Alors écoutez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une soirée spéciale Bigoni, parce que Marlène s'appelle Bigoni, et j'ai Michel Bigoni qui nous a envoyé un certain nombre de choses. Vu qu'on a fait déjà beaucoup beaucoup d'émissions, je vais juste vous en montrer une, et la deuxième, je la garderai pour la semaine prochaine, parce que derrière, il y a tout un texte qui nous a écrit et qui met un côté très surprenant à ce phénomène de dame blanche qui va nous décrire. Alors là, c'est pas une dame blanche, là, il nous parle d'un gnome. C'est dans une forêt où il y a pas mal d'êtres de la nature, visiblement. Et sur cette photo, il voit un gnome. Alors moi, je le vois effectivement en bas. C'est assez difficile à voir quand même, hein. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'oreille, hop, la tête, un œil, deux yeux, le nez, peut-être une bouche ou un bec un peu à la babouin, là. Voilà. Et en fait, ça fait une forme assez sombre. Ouais, comme ça on le voit bien. Voilà, ça fait peut-être plus Dogman d'ailleurs que autre chose. Bon. Et la semaine prochaine, allez, je vous fais un spoil. On parlera de cette photo. Et je l'enlève, comme ça. Vous ferez une pause et puis vous essayerez de comprendre ce que c'est. On va parler de Dame Blanche. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite du courrier des lecteurs et la suite du mail de Michel Bigoni. Puis en parlant bien de Bigoni, même si c'est pas de ta famille, Marlène, on voulait juste faire un dernier petit focus sur ta page Facebook et sur ton site web. Allez, je vais partager. Donc la page Facebook Mycélium Chrome, vous avez le lien sous la description de cette vidéo. Voilà, et vous avez plus de détails, la possibilité de contacter les organisateurs, les adresses mail, etc. Tout est là si vous avez des questions. Voilà. Ouais, juste un truc, si vraiment vous y êtes appelé, envoyez un mail à Michel pour réserver. Parce que voilà, je le redis, c'est un écolieu. Et pour pas qu'on soit débordé au dernier moment, voilà, ce serait sympa de réserver par mail. Voilà. Ok, il Bise. y a encore plein de photos et plein de photos à découvrir, bien sûr, sur la page Facebook. Allez, j'en profite, allez, pour conclure vraiment le sujet, ton site, Marlène, qui est magnifique avec ta galerie, marlène-bigoni.com. Voilà. Eh bien, merci. Bah écoute Marlène, merci de ton intervention sur Mimi et puis d'avoir partagé l'information de ce festival où moi j'ai vraiment hâte d'y être et puis voilà, de voir toutes les belles personnes qui vont participer à ce festival parce que je pense que, comme tu le disais, hein, ça va être un appel intérieur, je pense. Voilà. Complètement. Mais avec plaisir de t'accueillir, de te faire un câlin, en vrai. En vrai, parce que c'est Oui. vrai que voilà, on se connaît Et qu'en ouais. virtuel. Voilà, C'est ça. c'est pour ça que c'est important de participer à ce genre de festival, hein, comme on a pu le faire avec Antoine il y a un mois à Livaro. Ça nous permet de rencontrer les personnes en vrai et puis voilà, de lier encore plus les liens. Et voilà, c'est que des belles transmissions d'amour, je dirais. Complètement. C'est ça. Voilà. Bah Marlène, je te dis dans 3 semaines, comme disait Antoine, hein, on se retrouve Marche. là-bas. Merci Marlène d'être passée, à très bientôt. Ciao ciao. Ouais, gros Merci. bisous. Salut. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission parce que vous l'avez compris, c'est une émission qui va être très très longue. En réalité, je suis déjà en post-montage et je peux vous dire que l'émission en tout va faire plus d'1h50. Donc comme mon PC, eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, ne tient pas la route. En tout cas, il n'a plus les capacités de faire du montage sur des émissions de plus d'1 heure. Je vais découper l'émission en deux et on va retrouver bien immédiatement dans la deuxième partie Umberto Molinaro et Jérôme pour cette deuxième partie spéciale Crop Circle saison 2023 qui a débuté début juin. Donc voilà, ça devrait s'enchaîner directement. Sinon, allez sur la chaîne et cliquez sur Mimi 2.40 partie 2.
À tout de suite.